Bonjour, c'est Gadu et bienvenue sur Red Dead Gaming pour le premier épisode de cette série Minecraft, Le Village Maudit, en compagnie de Yout, Rick, Farah, Falcon, Bank et Kaya. Et coucou. Alors, Le Village Maudit, parce qu'en fait, on a pour objectif de protéger un village, puisque nous sommes aussi en 1.14.2, version d'ailleurs qui n'est pas super stable, il faut être honnête, mais qui est mieux que la 1.14 et la 1.14.1, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de petits rollbacks et de freeze, comme on a déjà vu. Farah, il commente en même temps, là, il me fait marrer. Quand je le vois pas. Ouais. Comme ça. Bon, bref. The show is gone. Et on va démarrer parce qu'il va faire nuit. D'accord. Donc, nous sommes au hard aussi, je précise. Et Farah. Ça aurait été trop simple. Donc, voilà pour notre amour. Farah. Essayons de survivre. Ramassons du bois pour commencer, s'il vous plaît. Faisons les outils, tout ça, les trucs de base. Hein, d'accord. Et puis, après, on partira, j'espère, trouver un village. On sait qu'il y a un endroit sympa. Parce qu'il nous faut du stuff aussi. Parce qu'on fera toute l'aventure aussi complète, hein, y compris le dragon et tout ça. Je vais prendre du bois normal parce que là je vois que vous prenez d'autres bois là, c'est un coup à avoir encore des problèmes de couleur ça. Tout le monde s'en fout. Bah alors. Y'a quelle musique là, les problèmes de couleur là, comment ça s'appelle la musique? La musique mélange de couleurs. Ouais. Je suis métis. Ouais c'est et ça, j'ai voilà, c'est de ça. Bah ça va faire ça à la maison. Ouais bah c'est bien. On aime le métissage. Ouais mais en fait ouais, il faudrait que ce soit bien fait. Les métiers à tisser. Ouais, c'est vrai que ça bouge bien les métis. Qu'est-ce qu'il raconte encore, Gaïa? Je sais pas. Ça bouge les métis là, non? Oui. Tu disais. Parler de quoi? De femmes ou de. Non, parler de bois, Gaïa. Ah pardon. Ça va bien se passer. Allez, moi je ramasse aussi un peu de bois, puis essayons de ramasser des pousses, ce genre de choses. Hein. Essayons de ramasser un maximum de choses tant qu'il fait jour, s'il vous plaît. Parce que dès qu'il fait nuit, c'est le cauchemar. Hein. Là, on n'est pas stuffé, donc on est tous morts, je pense. Mais non. Aussi, oh, que si. Bah, attends, d'ailleurs, je vais faire un. Ah, c'est costaud la nuit quand même. Ouais. Je vais faire un workbench là déjà pour commencer. Hop. Je fais petit achievement. Alors d'ailleurs, je précise aussi pour faire un petit peu de pub là pendant que je enfin un petit peu, c'est important. Pour ceux qui ne savent pas, il y a un serveur Minecraft avec minigame survie et les infos sont dans la description pour vous connecter si ça vous intéresse. Ben vous n'hésitez pas à passer, voilà. Et c'est toute version acceptée. Hein. Ah ouais. Voilà. Alors c'est beaucoup mieux déjà, j'ai une pioche, j'ai une hache en bois là déjà. Je sais pas ce que vous en êtes. Non, vous moi j'ai une pioche et une hache. J'ai des fleurs. En bois. Oui. J'ai un micro. Alors, faisons un maximum de bois parce qu'en fait quand il fera nuit on pourra peut-être pas revenir. En tout cas sur le coup. Alors non, pas les gros arbres. Alors s'il vous plaît aussi, parce que je connais Kaya, la spécialité de Kaya, c'est de couper le bas des arbres et pas de couper le haut. Ouais bah ouais, attends, le merde. Ah si, faut faire sa propre, Kaya. Oui, faut sa propre, attends, c'est le pourtant pas dur. Attends, vous vous rendez pas compte comment c'est chiant. Je vais poser ta table de craft, Gadu, s'il te plaît. Oui. Merci. Au pire, Kaya, tu coupes que les arbres qui ont le tronc bien droit. Et en fait, si tu... C'est hyper simple. Bien droit, quoi. Oui. Oui, mais t'es pas un arbre. Et du coup, ce sera simple pour toi et tu feras quelque chose de propre et joli. Oui, monsieur. Ouais, tu démarres du haut, c'est bien, c'est une bonne méthode aussi. Moi? Ouais. Tu démarres du haut. Ouais, je laisse toujours un carré en bas, comme ça me fait toujours un bloc de plus au cas où. Falcon, il a du mal à taper la lame de craft. C'est qui a fait ça? Il est malin comme un lynx. Il est malin comme un lapin. Oui, alors, ouais, ça c'est Kaya. Ça. Allez, on a la preuve là. On a le Kaya. Il s'est attaqué à un gros arbre, il a coupé les 4 premiers bouts de bois, puis il a laissé tout l'arbre dessus. Bah, il a pas fait que partout, hein, il y en a encore un ici. Non, Kaya, un peu de sérieux, s'il te plaît. Bon, ah ouais, bah, la table de craft. Moi, je voulais faire du bois, si vous voulez. Moi, je vous propose, parce que le bois a bien avancé, je vais me faire encore un arbre, mais vraiment histoire de. On va peut-être bouger, non on ouais, parce qu'on va peut-être bouger. Par contre, il faut pas se perdre. Alors, je sais pas où vous êtes. On va peut-être se regrouper avant de partir, moi, non je suis derrière Rick, moi. Moi je suis devant Farah. Je suis devant Japi. Hop, devant Rick, devant Youth. Ça nous aide pas ça. Je suis devant un arbre moi personnellement. Ouais, moi aussi. On est au spawn. On est au spawn. A donné mon pseudo minigame. Au spawn. Ah le si je vois, je vois. Viens vous TP là, il y a eu un rollback là. Ouais. Un petit. Ah mince. Merci Falcon. Tu vois ce que c'est le problème, Yadu bon. Tu peux me faire un escalier s'il te plaît? Vu qu'on est au spawn, je peux pas casser. Ah. Laisse-le mourir en son. On va te laisser là. Bah t'as pas de terre. Ouais, ramassons un peu de terre aussi puisqu'on y est. Hein. On sait jamais que ça serve. En plus, non. Ça permet de se casser rapidement. Bah ça permet de bloquer des portes et ce genre de choses. Donc c'est tout con, mais pensons-y. Si on veut faire pousser quelque chose, ici, ça serait pas mal. Donc ramasser, je sais pas, une vingtaine de terres chacun, ça suffira. On est combien? On est 6 là. Donc 20 terres, ça fait 120 blocs. Ça nous suffira très largement. Voilà.
Vous avez combien de bois sur vous? J'en ai 32, j'ai 32 troncs. Plus, J'en ai 70, moi. Ouais, mais toi, tu coupes que le bas des troncs aussi, donc c'est facile, hein. Est-ce que vous avez des pousses? Moi, j'en ai, moi. Oui, ouais, j'ai 6 pousses. Des pousses de sapin. Parce que j'ai 6 mains. Bah, j'ai pas compris celle-là. Est-ce que vous pouvez ramasser aussi un peu d'herbe? J'ai compris. Où c'est un village? Où c'est un village? Village en vue, village en vue. Vous êtes où? Je suis à côté de Kaya, Farah. Oh, les salauds, derrière toi, sur ta gauche, sur ta gauche. Moi j'ai compris sa blague, moi. Derrière toi. Demi-tour. Hop, tu me vois là. Ah, c'est bon. Ramasse les graines. S'il vous plaît, village au sud. Ah, c'est bon, j'ai déjà une graine. Comment tu repères le sud du nord? Ouais, j'avoue. Bah, regarde la mousse sur les troncs. Non, je déconne. Non, si avec F3 tu peux voir quelle face tu es. Et la bouffe aussi, il faudrait penser, peut-être qu'on va récupérer des légumes. Alors moi je tiens à faire mon jardin parce que moi j'aime bien faire les jardins. Ah non, mon papy il joue pas avec nous. Hein? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Mais les mecs, vous avez une pêche d'enfer aujourd'hui là. Je sais pas ce que vous avez, mais... Il veut ramasser des légumes. Je vois qui c'est qu'il faut récolter, les gars, à votre gauche. Des blé là. Oui, ça on ramasse parce que là pour le pain c'est génial ça. Ah bah tiens, d'ailleurs je vais faire leur champ, moi, tiens. J'ai vidé un peu de leurs graines, là c'est pas poussé mais c'est pas grave. Si on peut avoir quelques patates. J'ai piqué un Eli, c'est grave. Non, il faut qu'on... prends-le, hein. Ouais. Bon, je pense pas que... Plus de chêne, tiens. Hop. Ça les dérange. Moi, je ramasse tous leurs légumes, hein. Ça, c'est fait. Et si on se fait choper chez eux, ils font des trucs, non? Ils appellent la police, mais tant qu'ils arrivent... Non, si t'as enlevé le lit, ils font rien. Il n'y aura pas de problème. Vider tout le... Ils sont plus chez eux, s'il n'y a plus de lit. Voilà, c'est ça. Falcon qui tape des villageois. Non, c'est juste en train d'essayer de marchander avec eux. Sois gentil. Marchander avec eux à grand coup de pioche, lui. Ah, ceux qui ont des chapeaux, c'est les marchands, c'est ça? Non, ceux qui ont les chapeaux, c'est les fermiers. Ah, il y a des petits bébés maintenant. Voilà, j'ai dit, c'est pas prendre les coffres aussi. Ils font des enfants. C'est des villageois. Mais pas de prendre un lit. D'accord. Aussi. Si 22 lit, carottes égale une émeraude. Oui, si vous trouvez des lits, alors j'ai pas fait tous les bâtiments, mais je vais y aller maintenant. Ah, petit, la laine aussi. Les petits, ouais. Là, sortir de l'eau. Laissez les portes ouvertes quand vous avez visité, s'il vous plaît, ça évitera de retourner 10 fois. Ok? Comme ça. Ah, mais les villageois, ils les referment. Oui, mais il faudrait qu'ils reviennent s'il fait nuit. Faut les tuer alors, du coup. C'est bien, attends, vu qu'on a le but de les sauver. C'est quoi ce truc-là, là? C'est un coffre, là? J'ai ramassé un truc, là, c'est quoi? C'est une bonne idée, Kaya, prendre la laine. Ah, on pourra faire un lit. C'est quoi le speaking table? Je prends des bonnes idées, quoi. T'as pas l'habitude qu'on te le dise, mais c'est de bon cœur que je te le dis. Alors là, il y a une espèce de meuleuse, là, une scie circulaire, là. Ça sert à quoi, ça? C'est un stone cutter. Je peux pas l'enlever. Vous les ramassez? Ouais, il faudra... Non, il faut que tu le casses avec ta pioche. Ouais. Et je te parie que t'as pas de pioche. Non. Ouais, sûr. Par contre, je voyais des champignons là. Les champignons, ouais, ramassez-les pour avoir les deux sortes de champignons pour les faire cultiver après. Café. Pour faire des soupes. Elle est où là? C'est circulaire. On a un joli biome là, champignons. Et là, dans une des maisons, la dernière maison qui est au bout, en fait. Ok. Ramassez les champignons parce que les champignons, ça donne plein de bouffe. Hein. Je sais pas, je suis avec la hache, je sais pas si c'est le bon plan ou pas, je sais pas si ça coupe plus vite. Je sais pas si j'en ai beaucoup ou pas. Tout ce qui est en bois vaut mieux la hache, tout ce qui est en pierre vaut mieux la pioche et tout. Ouais, ça va plus vite qu'à la main. Enfin, c'est pas énorme. Hop, j'ai trouvé un lit. Ramasser, bah de toute façon, un lit on peut en avoir un pour tout le monde. Non. Sauf qu'on passe la nuit. Ouais, quand on passe la nuit, il faut chacun son lit perso, j'en ai trouvé deux. J'en ai trouvé deux aussi. Bah, j'en ai trouvé zéro, mais on est 6, donc ça fait 4 lits, on est toujours pas bon, hein. Kaya il a de la laine, on va pouvoir en refaire un de plus, il a 3 laines. Nickel. Moi j'en ai 3. On a ces lits, il faudra juste les poser là, dès qu'on se planque, dès qu'il fait nuit en fait. Pour le moment, ramassons dehors. D'accord, parce que c'est le plus important. Je vais ramasser des graines, moi. Ah bah j'en ai plus en fait des graines, j'ai pas vu. J'ai 3 graines. Je récupère du charbon. Vous êtes en zone champignon ou pas là, vous? Non. Je suis encore au village, moi. Vous êtes encore au village, d'accord. Je fais juste un petit tour, je reviens vers vous après pour voir si. Ah bah tiens, il y a de la laine. Le problème c'est que j'ai pas fait de. La nuit commence à tomber. Hein. Ouais. Bah, c'est y a un renard. On va vite se cacher. Le village. Ce sera après le coup du renard. C'est la première fois que j'en vois un. Je vais par une sorcière. Hein. Frog Spirit. Alors moi par contre ma bouffe là commence à s'amenuiser sévèrement. J'en tue les moutons. S'amenuiser. S'amenuiser. Ouais, t'as faim quoi.
Non, j'ai pas faim. J'ai dit ma bouffe. Oui, c'est ma bouffe, oui. Tout à fait. Ma vie, ça va. Allez, venez vous cacher dans la petite grotte que j'ai faite. Alors, elle est où ta grotte? Parce que là, moi, je reviens vers le village. Elle est là, là. Elle est là. Vous êtes où, là? Là n'est pas une indication valide. Ah, vous êtes où, là? Je reviens vers le village. Faites demi-tour dès que possible. Je vais y réitérer. Est-ce que t'as ramassé la scie circulaire, Kaya, là? Oui. Eh, j'ai pas assez de bouffe pour courir. Revenez là où il y avait de la laine au village, là. Tiens, bon, ouais, bien. Je vois ça. Est-ce qu'il y a une table de craft qui part? Oui, tiens. Hop. Ok. Moi, je reviens, là, et... Tu aurais 3-4 cailloux pour moi, s'il te plaît. T'as qu'on fasse un coffre, Kaya? Oui. Alors, je suis revenu au village, moi. Merci. C'est l'Afrique, la Yute, pareil là-bas, Kaya, il manque juste toi, Gadu, t'es où? Ouais, mais je suis dans le village, je suis en plein milieu. Pourquoi du vous vous enfermez dans une mine alors qu'on peut s'enfermer dans une maison? C'est pas super, c'est pas le super parce bon. Que la nuit, mais après, on peut aller. La nuit, on peut miner. Oui, c'est ça, on peut aller chercher du fer. Ah, mais dans une maison aussi, on peut faire un seul. Ouais, mais ça fait un seul bizarre. Chanter Kumbaya en chœur. Je vous vois toujours pas, messieurs. Hein. Je suis toujours dans le village, là, mais je ne vois personne. Attends, on fait demi-tour. Je vois un golem. Derrière toi. Par là? Ah, si, je vois un nom là, en dessous. Là. Ouais, effectivement, là, je vois. Vas-y, vas-y. Voilà. Fais gaffe de pas prendre trop de dégâts. Le golem pourra nous aider la nuit à contrôler le monde, donc c'est pas mal. Ouais, mais il pourra juste nous aider parce qu'il va se faire défoncer en hard là, et vu le nombre qu'on est, ça va spawn à mort, à mon avis. Hein. Donc on a déjà préparé une petite grotte et on partira en piqué vers le bas, on va chercher du fer. Faut juste boucher les deux entrées. Attendez. Voilà. Est-ce qu'on pourrait faire un petit four? Parce que là il faut que je mange, moi, perso. Oui, j'ai des petits fours. Ouais, je veux bien des petits fours. Alors ne mangez pas les patates et les carottes, si vous avez de la viande, ce serait beaucoup mieux. S'il vous plaît. Ah, quelqu'un a donné un pain, c'est parfait, merci. Ou du pain, bah oui, du pain, vous avez ramassé plein de... Tiens, ramassez par terre le four. Ah, c'est bon, je vais le four. Ouais, maintenant il faut du... Voilà, un deuxième, ok, si vous voulez. Tiens, c'est tellement moche, la porte là en bois. Alors, allez, vous avez pas de... Oui. J'ai cherché une porte, moi. Ouais, d'accord, ok, tu mets du bois carrément pur comme ça. Ok. On passe la nuit. Oups, ou... Tiens, on bah, fait regarde. Quoi Ouais, bah si on a tous. Est-ce qu'on a tous alliés déjà? Ouais. Oh, j'ai posé. Ouais, il y a moyen d'en faire, hein. Moi je peux. J'ai récupéré un peu de laine, je vais pouvoir. Ah, moi aussi j'ai de la laine. Stop, Farah, stop, parce qu'après on pourra plus. Donc si tu veux faire une petite chambre, fais une petite pièce si tu veux. Mais... Non, je fais pas une chambre, non. Ah, je vais ramasser de la pierre. Non, je ramasse de la pierre. Bah, tu t'en auras pas à me donner, tiens, c'est plus vite que je. Si t'en as 3 en fait. Comme ça après je peux farmer aussi la mienne. Pas derrière toi, gars. Superbe, merci beaucoup. Oh putain, ça. Clipper! Ça, tu peux sortir de ton lit et de la maison par la même occasion, s'il te plaît. Oh, ouais. On peut même plus dormir tranquille. Ok, là, péter, tu vois. Là, il doit y avoir un carré de laine que j'arrive pas à prendre. Oula. Tu le vois? Ah, oui. Pas moi, non, mais moi non plus, je peux pas le prendre. On a perdu Kaya, les gars. Ouais. Je suis décédé dans la trop souffrance. Est-ce que t'as mis ton lit avant, Kaya? Non, je suis dans la grotte en bas. Oh, hey, Kaya? Non, mais heureusement qu'on joue pas en hardcore. Hein. Il est mort juste à côté de moi, hein. C'est bon. On descend en bas, on récupère pas son stuff. C'est juste qu'il faut avoir une épée. On est en hardcore, non? Non, on est en hard, tout court. Donc c'est-à-dire que c'est juste dur, mais la partie s'arrête pas quand on meurt. Je viens de manger de... Je sais pas qui a mis du mouton, là. J'en ai mangé 3, mais j'en avais ramené 2. Non, regarde, il est là-haut, en fait, le bloc. Mangez, il y a du poulet, je pense. Oui, il y a du chicken, ouais, effectivement, je l'ai. Ah non. Je mets ça dans le coffre, hein, le chicken. Vous fouillez dans les coffres, parce que là, c'est le bordel, c'est normal, on va trier, hein. C'est le bordel dans les coffres. Ouais, c'est le bordel, mais de toute façon, on a que un coffre. Ouais, attends, je vais dormir, moi, pour éviter de respawn à perpète. C'est ouvert, là. On s'est dormi, hein, pour éviter de respawn n'importe où. Ils font mal les squelettes. Hein. Ouais, mais si tu dors et que tu renlèves ton lit, ça sert à rien. C'est bon, je suis content. On enlève pas les lits. Ah, faut tous se poser au même endroit du coup. Bah, on laisse 3 lits là et puis c'est tout. Juste qu'on passera pas la nuit, parce que normalement vous avez tous normalement suffisamment de coffres, je croyais. Du lit là? Qu'est-ce qu'il raconte encore? Je veux mettre 3 lits là. Vous avez une pêche d'enfer, vous, hein. Franchement. Hein. Ok, voilà. C'est là qu'on commence à s'amuser. Tac, tac, tac. Voilà. Bon, un petit début d'aventure tranquille, hein. Mais je sens bien. On est. Alors j'ai eu peur, j'ai cru que tu m'avais déjà fait une ampoule ou quoi. Quelqu'un à mon lit? J'ai posé ton lit, ouais. Il est où?
C'est le jaune à droite, tout à droite. Peu importe, prenez n'importe lequel. Pour info, il y a encore. Il y en a encore. Mettez des outils en bois là à cramer, tiens, parce que sinon on va jamais y arriver. Moi j'en ai pas fait des outils en bois. Des outils en pierre. Ton stuff, je l'ai tout drop, mais tu devras tout refaire parce que j'ai. Il n'y avait pas grand chose d'important, tu vois ce que je veux dire. Okay. On va faire des petits panneaux pour mettre sur les lits, c'est mignon. Je mets la bouffe à cuire. Hein. Une grotte, donc je vais essayer de choper du fer. Ouais, il faut des torches, Kaya. Ah, là, par contre, les gars, il y a un truc qui va pas, vraiment. C'est sûr. Là, excusez-moi, la brigade du style ne peut pas laisser ça faire. Voilà, tac, hop. Bon, là, alors, par contre, vous en avez enlevé ça, donc faut ici. Replongeons tous dans les lits, alors. Oui, plongeons tous dans les lits. Ouais, dans les lits. On monte. Donc, on respawn à perpète, Kaya, remontons. Allez, tous au lit, les enfants. Ouais, remontez pour mettre votre lit. C'est pas si vous avez deux fois le même, mais au moins, venez pour être sûr qu'il se citait, quoi. Voilà, puis on va laisser Farah nous faire un petit... C'est les pieds de lit, tout ça, parce que lui, il aime bien faire des trucs jolis en bois, là. Il taille du un bois. Un petit baldaquin, là, c'est bien, ça, non? You must go on, allez, hop. C'est bon? Kaya revient. La nuit devrait passer, d'ailleurs, au passage, puisqu'il fait encore nuit, si j'ai pas de bêtises. Oui, de toute façon, si la nuit passe, automatiquement, on va tous se relever automatiquement, donc... Oui, bah on va voir. Là, on est tous allongés, là. On va dormir tout son cœur, quoi. Là, ça devrait passer, on est tous allongés. Voilà. On est tous mélangés, mais ça a marché, ça. Oh, le soleil vient de se lever. Ça a marché. Bon, par contre, il y aura des creepers partout, hein, maintenant. Avec l'ami Rico et... Alors, vous avez commencé une mine, c'est ça? Choper du feu, enfin du... Allez, choper des torches avant de descendre, parce qu'on a rien du tout pour éclairer. Et on fait quoi? On reste ici ou on trouve une autre place? Non, on va fouiller la grotte un petit peu. Bah, il nous faut du métal, en fait. Hein. Ça, c'est une obligation, maintenant. On est en train de faire chauffer du métal, actuellement. Mais une petite poubelle. Je suis en train de voir où vous êtes, là, pour... Alors, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur le sens des torches plutôt que d'en mettre villageois chez moi. Oui, avant de descendre. En descendant, on met les torches à droite pour les avoir à gauche en remontant. Ça, c'est très important pour ne pas se perdre. Effectivement. Voilà, ça c'est fait. Alors, moi, je vois pas grand chose. Je sais pas si les viewers voient beaucoup de choses, mais je commence à ramasser du fer. Hein. Je suis dans une zone en fait d'ombre, donc c'est un coup, est-ce qu'il y a un creeper qui me pète à la gueule, tu vois. Et t'as pas de torche? Non. Ok, on a un villageois qui a spawn dans notre maison vu qu'il y avait une porte. Des lits. C'est bon, il s'en va. Bah, c'est pareil, laisse-le là sinon, pire. Ouais, mais il ouvre la porte et. Enfin, ouais. Mais il la referme pas. Y'a rien par là, Falcon. Hein. Je sais pas si les viewers voient bien, j'ai peur que vous voyez pas grand chose, mais. Bah, remonte, va chercher des torches. T'as cahier qu'on en a fait pas mal, donc. Ouais, j'en ai plein sur moi là. Il nous faut du charbon aussi, il serait pas mal. Ah, ouais, charbon. Vous avez dit torche à droite quand vous descendez, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et quand on monte à gauche. Ça, quand tu retrouves facilement la sortie. Tiens, mais regardez du charbon dessus là, regarde. Parce que là, c'est du charbon et du fer qu'il nous faut en fait, en masse, hein, on est bien d'accord? Oui. Ben, je trouve que c'est un bon début de partie là. À part Kaya qui est mort, à part ça, là, on s'est bien installé, on a bien récupéré des ressources, on a de quoi manger aussi. Oui, on a pas mal de pain. Hein. Ouais, enfin, le pain, vous avez ramassé masse de pain, mais il faudra vite replanter quelque chose ou tuer des animaux, ou je sais pas, mais. Parce que moi, j'ai déjà plus rien pour info sur moi, hein. J'ai rien pris en fait. Je voulais pas gaspiller. Après, on peut tricher peut-être, et puis quand on meurt, on réapparaît dans notre lit. Hein. Oui, au début, ça peut se faire, mais c'est de la triche. Voilà, moi je suis pas pour. Voilà. Bon, allez, un peu de torche. Du coup, je vais pouvoir aller en faire moi-même. Alors, pourquoi vous avez mis de la pierre? Ah, c'est pour remonter, ok. La grotte s'arrête quasi là, donc elle est pas vraiment intéressante. Hein. On n'a pas beaucoup de fer. Bah sinon, sur une autre grotte, on parcourait à l'opposé. Parce que je suppose que les grottes, ça doit être blindé en dessous, je suis sûr, de grottes. Ah, pour le moment, faut déchoper des torches, parce que moi, personnellement, j'en ai rien du tout. Ouais, mais alors, je suis en train d'en faire, là, mais je sais pas si... Ouais, c'est assez. Faut faire du charcoal aussi, avec du bois. Ouais, mais ça nous coûte vachement cher. Normalement, on n'a jamais de problème de torches, parce qu'on devrait en trouver largement suffisamment. Voilà, j'ai trouvé 3 bons filons de charbon. C'est pas évident. Moi j'ai trouvé, tiens, 64 torches là, ça y est sur moi là. Vas-y, pardon, il y a deux. Je fais 32 s'il te plaît, mais on va mettre 32 comme ça. Ouais, tiens, regarde. Ça a marché? Ouais, ça a marché. Ok. Il y a un rollback, ouais, c'est la version qui est pas sale, là, ça je m'en doutais un petit peu. Et là il faudrait que j'ai quelque chose à manger, je vais prendre ça. Mais... Je suis pas trop fan quoi. Les carottes et les patates, faudrait pas qu'on y touche. Vous avez encore du pain là? Du pain, vous en avez mis?
Donc c'est fait de la soupe de champignons. Ah, alors il y a un petit malin qui a posé un coffre avec un toit au-dessus là, c'est qui? C'est peut-être moi, hein. Je les ai posés à l'arrache. D'accord, d'accord, ok. Ok, ok, bah, bon, j'ai fait un. Et posez pas les torches au sol, s'il vous plaît. Oui, parce que le sol, c'est ni à droite ni à gauche. Voilà. Donc du coup, on les suit, mais. Je vais mettre un coffre à bouffe, d'accord? Mais ne touchez pas aux carottes et patates, enfin, que vraiment en dernier cours, quoi. Évidemment. J'ai trouvé une faille. Ah, moi ça m'intéresse, là. Voilà. Allez, on met ça là, c'est cool, et on peut repartir. Voilà. Alors j'indique la sortie pour deux torches. Attends. Par contre, Falcon, là, tu m'as demandé des torches. Ok. Ça, je les donne. Oui, capitaine. Voilà. Merci. T'as indiqué la sortie par deux torches. Ok, nickel. Bah c'est bien parce que c'est vrai qu'on voyait pas. Hein. Moi je me suis posé la question. J'ai dit c'est quoi le non, non, donc là il y a deux torches. Est-ce que vous avez tenté d'aller derrière? Normalement on fait mieux, mais vu qu'elle est en biais l'entrée. Elle est où la faille? Je vais la faire mieux que ça. Là il y en a qui vont pas trouver. Bah, j'éclaire jusque là, ça évite au moins que ça spawn. Sinon on va m'enfler. Donc fais cette petite maison en calme. Ok, LM. Voilà, comme ça il y a pas de créateur. Elle est où? T'es passé par où pour aller à la faille? Ah ok, je vois. Je tu remontes dans la pièce d'en haut et tu descends l'escalier. Tu remontes dans la pièce principale où on était, il y a un autre, il y a une autre entrée de mine en fait. Ok, ok. Alors moi je sais pas pour vous, mais la bouffe descend à une vitesse. Ouais, faut éviter trop de sprint. Ouais, c'est ça, ouais, faut marcher à l'arrière. Un, ouais. Enfin, super gaffe à la bouffe parce qu'on est nombreux, hein, et si vous allez pas en chercher. Ah, bah t'as pu. Ah, si, t'as. Ouais, t'inquiète. Tu cherches au hasard en fait, toi, Kaya? Ouais, ça, moi je cherche au hasard, ouais. D'accord. Je vais te rajouter une ou deux torches parce que sinon t'es dans le caca là. Enfin, encore que là t'en as assez en fait. Bon, j'ai pas ton. Ouais. Si t'en as assez, je t'embête pas. Et je ne sprint pas. J'en ai 52. Oui, bah au rythme où tu vas, t'as le temps. Où est cette fameuse faille là? Parce que je cherche, je la vois pas la faille. On parlait d'une faille. Tu remontes dans la pièce principale et derrière les fours, il y a un autre escalier en fait. Derrière les fours. Dans la pièce principale. Ouais, dans la pièce où la pièce d'en haut, il y a les lits. D'accord, ok. Bah, je reviens en arrière, du coup, j'étais parti. Falcon, il redescend, ok. Ouais, je cherche le diamant, Falcon. Exactement. Et donc là, tu m'as dit d'y aller, ok, d'accord. J'ai mis une torche là. C'est là, ok. Nickel. Alors, la faille, le problème, c'est que c'est super dangereux parce que s'il y a des squelettes de l'autre côté, on peut rien faire. C'est marrant. Alors, on va essayer de pas se casser la. Oh la vache. Oh, il y a un mineshaft. Un mineshaft, pardon. Là, il y a un mineshaft, il y a des ressources à reprendre. Hein. Là, ça va être un truc de fou, là. Par contre, attends, pour y aller, il faudrait qu'on aille donc par par là, c'est ça, hein. Dis-moi, il faudrait. Regarde, faire comme ça. Comme ça, non, mais comme ça, non. On descend à côté, comme ça, ça fait un escalier en colimaçon. Tiens, du fer en plus, c'est pas merveilleux, ça, attends. Je me suis dit, on peut faire un double chemin aussi. Oh, il y a une double faille. Regarde de l'autre côté. Regarde derrière toi, Gadi. Non. Alors là, je pense qu'on a beaucoup de choses à se faire. Là. On a beaucoup. Ouais, je vais peut-être apotonner ma mine, moi. Ah, il y a un squelette aussi, t'entends? Ah ouais, il vient d'essayer de me tirer dessus. Une petite torche à droite, comme on a dit. Respectez le système de torche, parce que sinon, après, y compris Kaya, parce que je connais le Kaya. Ouais. Ah, par contre, mineshaft, c'est-à-dire aussi araignée bleue. Oui. On n'a pas de bol de lait. Et, mais ça veut dire aussi fil, ça veut dire canne à pêche, ça veut dire. Excuse-moi. Pourquoi des blocs de lait? Non, c'était pas voulu. Parce qu'en fait, moi, les torches, je les mets dans le mur, comme ça, ils n'en perdent pas. Pourquoi des blocs de lait? Maintenant, Farah, les lumières, il vaut mieux les mettre dehors. Parce que sinon, il y a de l'ombre. Ça fait moins de lumière. Attends. Oh, bah tiens, hey, regarde, nickel, on y est. Oula, attends, je me fais tirer dessus! Poussez-vous! On m'a snipé dès que je suis arrivé, quoi. Hop, c'est bon. Je suis. Non, j'ai mon épée. Merci d'avoir pris la flèche. Il y a du fer aussi, là. Attendez, ah, bah, c'est bon, on l'a eu. Il y a du fer, là. Bon, alors, mineshaft. D'un côté, c'est pas terrible. De l'autre côté, c'est pas la taille non plus. Mais on va quand même aller fouiller. Je vais y avoir encore du fer, donc. Il nous faut du fer en masse, hein, les mecs, parce que sans ça, on est mort, je crois. Hein. C'est nos armures. Falcon, comment t'as fait pour aller aussi vite là où je voulais aller? À droite. Ah, y'a un chemin? Regarde, t'avais une descente. Bah oui. D'accord. Ah ouais, merde, là. Y'a rien en fait, c'est un mineshaft vide. Attendez, là, normalement, y'a un coffre. Ouais, je sais pas, je pense qu'il faut continuer.
Attends, il y a encore masse de fer là. Attends, et prenez le fer. Hein. Oh, il a pas il a du fer, ouais. Prenez le fer parce que. Ah bah oui, là ça continue voilà, bien allez, là. Attendez, allez. Là j'ai trouvé un truc là, super intéressant là. Super intéressant. Je vais prendre le fer. Je vous propose de faire un petit rollback. Enfin, un rollback, non pas un rollback, mais revenir en arrière. Pour poser le fer vraiment qu'on a ramassé, parce que moi j'en ai masse, hein. Je sais pas pour vous, mais. Enfin, j'en ai masse. Ouais, moi aussi je compte. J'en ai que 9 en fait, c'est pas énorme. Ouais, mais tous 9, et ben en fait c'est pas mal. J'ai de l'or et tout, parce que j'ai trouvé une autre grotte où il y a plein de choses. J'ai commencé à plus avoir de bouffe non plus, donc. Celle où je creusais là, Galu. Ouais. J'ai trouvé une autre grotte avec plein de ressources, avec de l'or et tout quoi. Alors, attends. Ce que je vais faire là. Moi je vais finir ma pioche ici. Voilà, je vais remonter après parce que. Je vois, il y a pas mal de choses là. Et Kaya, il faudrait qu'on reste un peu parce que là, je pense qu'on va avoir besoin de toi. Il y a du fer partout là, c'est incroyable. Moi je suis rendu à 30 de fer sur moi. Bah, moi je continue de fermer aussi. Mais oh là, Cooper. Bah, les failles, c'est ça aussi, on voit vachement ce qu'il y a donc. Voilà. Ça c'est fait. Et puis en plus, j'ai plus avoir de pioche bientôt donc ce serait quand même ballot. Donc, moi je vais revenir en arrière. On va voir si j'arrive à revenir. Il y a encore du. What the fuck. J'ai jamais m'arrêter en fait. Je remonte parce que je vais mourir. J'ai pas vu le Clipper juste derrière moi là. Le quoi? Le Clipper. Oh putain, je vais mourir moi aussi. Le Clipper. Oh putain. Ouais, c'est ça là. Ah, t'as un petit bateau. Oh, Farah, j'aurais besoin de toi. Pourquoi j'ai dit quoi? Là-bas, au fond, il y a un squelette. Ouais. Et il m'a mis très très mal. C'est pas par là qu'on vient. Par d'où on vient? D'où on vient les mecs là? Attendez, parce que moi je suis perdu là. Ah oui, c'est par le trou qui est en haut. À gauche. Torche à gauche, torche à gauche, torche à gauche. Oh, on a dit à droite quand on descend. Oh merde, merde, je vais crever. Tiens, je vais mettre. Bah, voilà. Oh mais putain, qui c'est qui a. Qui c'est qui a les squelettes, ils font vraiment mal, hein. 3 coeurs, hein. La flèche. Mais qui c'est qui a creusé derrière moi les blocs que je puisse pas remonter? Putain. Non. Moi je rentre gentiment pour éviter justement ce genre de problème. Par contre, faut que tu ramasses ton stuff maintenant, Rick. Ouais, c'est le problème. C'est pour ça que je préfère revenir en arrière parce que sinon, c'est... Ah, mais j'étais en train de repartir justement parce que j'avais plus qu'un cœur. Donc je ramène un squelette qui a spawn devant moi. 18 blocs de fer, je ramène. Bah, ah, ramenez masse parce que là, si on pouvait s'équiper, ce serait cool. Il me fait mal aussi. Hein. Ah, c'est bon, je l'ai tué. Putain, il m'a mis malin. Voilà, je suis en train de cuire du fer en même temps. Et toi, bah Kaya, t'as raison aussi. Là, on a. Putain, oh, il y a encore du fer là. Si t'en as. Attends, quelques-uns. Voilà. Un petit. Un petit, je récupère de mon stuff déjà. J'ai envie de cramer là, la pioche en bois là qui me sert à rien là. Eh bon, t'as du fer ou pas? Eh, c'est bon. Ah putain, courant d'eau. Bah, c'est bon. Je sais pas comment j'ai pris, j'en ai... On devait 2, là j'ai dû faire une erreur quelque part encore. Je vais remonter parce que j'ai 40 fer actuellement sur moi. Tu veux pas qu'on t'aide, Rick? Voilà, on va faire l'inventaire de ce qu'on a en fer, peut-être qu'on pourra tous se faire une pièce d'armure, un truc comme ça. Il est gonflé comme le villageois à mettre ses pieds là sur les draps là. Ça salit bah ouais. Après ça. Il ressemble à rien en plus. Ah, il dort le mec. Il a pris le lit de quelqu'un. Il a pris le lit de qui? Je sais pas, c'est le lit qui est tout à droite. Il dort dedans là. On a pas assez de fer. Hein. Ouais, mais ça va avancer. Attends, on est au premier épisode. Ok, d'ailleurs, on va se laisser, je pense, parce que moi je vais redescendre, mais je pense qu'il va me falloir un peu de bouffe. Et je pense que niveau bouffe, on est mal. Non? Je crois qu'on a pas mal de pain. De quoi faire le pain? C'est bah, comment on fait du le, pain? Le pain, c'est... il est où? Parce que vous l'avez pas mis le pain en fait là. Je vois pas ton pain là. Il est sur moi là, je suis en train de le faire. Bah, il était où? Il était où les blocs? Avant? Y'en a un en fait qui s'est barré avec tout le pain, quoi. Et du coup, bah, on a rien. Et gardez pas sur vous, mettez dans les coffres s'il vous plaît, parce que ça évite de crever quand. C'est quoi là le. C'est quoi ça? Ah ouais, quand même, y'en a qui ferment comme des dégueulasses, hein. Bon, je la remets. Je sais pas si c'est avantageux, mais je la remets. De toute façon, moi, il me faut une. Pioche encore. Voilà. Ça devrait suffire, je pourrais faire deux pioches avec ça. Hop, je suis parti. Hop, ah! Ah, vous avez vu, hein, c'est le problème de la 1.14.2. C'est hallucinant le nombre de frises qu'on a. Bien, du coup, on va se laisser et on va se dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, bye bye! Allez, bye bye!